il y a une position d'équilibre. Donc R0 qui correspond à, oups, qui correspond à cette distance-là, là, la distance d'équilibre, la distance de liaison entre ces deux atomes. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on fait un développement limité de ce potentiel autour du point d'équilibre, en considérant que mon atome, il ne va jamais trop se déplacer autour de ce point-là. Et la courbure, hein, ce truc-là, on peut l'écrire comme 1/2 de kx carré. Donc la courbure ici, c'est ce qu'on appelle la constante de Rader de la liaison. Donc en fait, mes atomes, mes liaisons, on va les décrire comme, des ressorts de constante de Rader k. Alors ce que j'observe, c'est que j'ai pas le Discord. Alors je vais prendre 2 secondes pour le mettre. Hop, je vais déplacer ça. Et voilà. Comme ça, je peux voir si vous avez des questions. Il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions pendant le cours, hein, parce que c'est plus intéressant pour tout le monde. Et puis, c'est l'occasion de... Vous prenez le temps de vous réveiller le matin, et la majorité des gens dorment. Donc, si vous êtes réveillé, il ne faut pas hésiter à interagir. Comme ça... voilà, vous aurez quelque chose en plus par rapport aux autres. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça et qu'on sait qu'un atome, alors je vais prendre quelque chose d'un dé, on peut le décrire simplement comme une répétition périodique d'un motif. Alors je vais prendre un motif le plus simple possible, je vais prendre un atome par maille. Donc ça, c'est des mailles. Et ce qu'on va voir, c'est comment ces choses-là vibrent. Donc l'idée, hein, c'est qu'on va exciter ces atomes. Et ces atomes, donc on va s'intéresser dans un premier temps au son. Donc le son, ce sont des ondes longitudinales. Donc c'est-à-dire que ces atomes vont se déplacer dans ces directions-là pour former une onde. Donc on va voir des ondes comme ça. Des endroits où ce sera très comprimé, et puis très dilaté, puis comprimé, puis dilaté, puis comprimé, puis dilaté, puis comprimé. Voilà. Et donc ça, c'est la longueur d'onde de votre son. Alors, je ne sais pas si vous savez comment décrire ce type de mouvement par une onde. Donc, je vais vous le montrer. Parce que ça, c'est souvent un problème qu'on a au début. Alors, une onde transversale, on a une bonne idée, parce que si je prends mes atomes et que j'associe une onde au déplacement de ces atomes, une onde transversale, c'est simplement l'onde qui représente le déplacement transverse de l'atome. Donc, quand il y a cette onde est là, à cet instant T, mon atome, il est là, celui-là, il est là, celui-là, il est là, et celui-là, il est là. Donc l'onde transverse, le décrire par une onde, le déplacement transversal, le décrire par une onde, c'est simple, puisque c'est très visuel. Là, par contre, ce qu'on essaie de représenter, c'est ces déplacements-là. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, je vais vous expliquer l'idée. Vous allez voir. Donc j'ai toujours mes atomes. Et j'ai toujours une onde qui va représenter le déplacement longitudinal de mes atomes. Alors là, donc, mon onde, elle a une amplitude, elle a une longueur d'onde. Ça, c'est sa longueur d'onde, ça, c'est son amplitude. Voilà. Donc, je peux la décrire par une onde plane, par exemple. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on décrit un déplacement longitudinal des atomes? Cette hauteur-là va représenter le déplacement de cet atome-là. Donc, si j'appelle ça cet atome N, cette hauteur va représenter la valeur du déplacement longitudinal UN. Donc là, ce que j'observe, c'est qu'il est positif. Donc ça veut dire que mon atome va se déplacer positivement
d'une distance qui est cette distance un. Alors le sens positif, c'est celui-là. Donc ça veut dire que tac, 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 cet atome va se déplacer ici d'une distance un. Même raisonnement pour cet atome-là. Donc si je prends celui-là, ce que j'observe, c'est que son déplacement U, cette fois-ci, il est négatif. Ça veut dire que cet atome-là va être déplacé de cette longueur-là vers la gauche, cette fois-ci. Donc mon atome, il va se retrouver... Là, je vais le mettre en une autre couleur, histoire de voir le déplacement. Voilà. Ici. Donc on a, encore une fois, un déplacement U qui est négatif. Donc, il se déplace là. Donc je me retrouve ici. Et le dernier, j'ai un déplacement U qui est positif. Donc mon atome va se déplacer là. Donc voilà comment, à partir d'une onde plane, hein, ça c'est, je peux la décrire comme une onde plane, comment à partir d'une onde plane, je peux décrire une onde longitudinale, et donc je peux décrire la position des atomes longitudinalement. Enfin, le déplacement des atomes longitudinalement suivant la chaîne. Donc ça, c'est petit rappel des ondes transverses et longitudinales et comment on les décrit. Alors, le premier point que je vais décrire, c'est ce qu'on appelle le modèle de la chaîne monoatomique. Atomique. Donc je vais considérer une chaîne d'atomes séparés, enfin liés entre eux par des ressorts. La distance entre deux atomes, donc le paramètre de maille, je vais le noter A, et pour pas confondre la lettre K du vecteur d'onde et la constante de Rader qu'en général on écrit avec la lettre K, je vais appeler la constante de Rader cette fois-ci C. J'aurais pu l'appeler R en fait pour Rader. Donc je l'appelle C. Donc nous sommes à 1D. Donc les seuls déplacements possibles pour ces atomes, ce sont des déplacements longitudinaux. Donc je vais m'intéresser aux ondes longitudinales. Donc je vais noter le numéro des nœuds. Ce nœud-là, je vais l'appeler n-2. Ce nœud ici, je vais l'appeler n-1. Ce nœud-là, je vais l'appeler n. Ce nœud-là, n plus 1, et etc. Et je vais m'intéresser à appliquer le principe fondamental de la dynamique à la position n, et en considérant que seul les premiers voisins vont interagir avec mon atome M. Donc je vais m'intéresser qu'à l'interaction entre cet atome-là et les atomes N plus 1 et N moins 1. On peut faire le calcul pour les seconds voisins, les troisièmes voisins, etc. Ça modifie un tout petit peu le résultat, mais pas non plus drastiquement. Donc le premier voisin est largement suffisant pour démontrer ce qu'on a envie de démontrer, à savoir les propriétés de propagation du son dans les solides. Donc mon motif, c'est un atome à la position 0. Donc ici, hein, j'ai un atome ici, et donc je rappelle, hein, si je décris une maille, le motif, c'est la position de l'atome repéré par rapport à un nœud, et donc il est sur le nœud, donc il est à la position 0. Donc mon réseau, comment je peux le décrire? Bah, je peux le décrire par des positions de mes nœuds, xn, qui sont simplement n fois le paramètre de maille A. C'est-à-dire que ici, j'ai mon 0,
de mon réseau, qui et là c'est ma direction X. Et comme j'ai ce nœud N et dans la énième maille, et que j'ai une maille à une longueur A, la coordonnée de mon nœud XN est N fois le paramètre A. Donc, je remets mes nœuds. Tac, tac. Je vais décrire le déplacement d'un atome. Tac, là j'ai un atome. Ici, par, donc ça c'est le nœud N. Je vais décrire ce déplacement longitudinal de l'atome par une fonction que je vais appeler UN. Donc UN correspond au déplacement de l'atome N. Si cet atome-là s'est déplacé dans cette direction, UN-1 est négatif. Et par exemple, si cet atome-là s'est déplacé dans cette direction, UN plus 1 est positif. Je rappelle la loi de Hooke. Donc la loi de Hooke me dit que la force exercée par mon élastique, enfin mon ressort, est proportionnelle, donc C étant la constante de Rader, est proportionnelle à l'élongation, donc à UN. Par exemple. Je ne vais pas mettre Fn parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, je vais mettre U seulement. Voilà. Et suivant X. Et puis, j'ai le moins, hein, parce que si U se déplace vers la droite, enfin si U est positif, hein, ma force est négative. Donc c'est une force de rappel. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Donc, N plus 1, N moins 1, et puis j'ai mes petits ressorts. Donc, comme je vous dis, je vais m'intéresser que au premier voisin. Et je vais calculer la force, que je vais noter Fn, exercée par ces deux ressorts, par celui-là et par celui-là. Alors, bien évidemment, cette force, ça va dépendre du déplacement N, mais pas seulement, ça va dépendre aussi du déplacement de N plus 1 et de n-1. Par exemple, si n plus 1 se déplace comme ça, je vais tirer sur ce ressort. J'ai donc une force de rappel ici, dans cette direction-là. Et par la troisième loi de Newton, si j'ai une force de rappel ici, j'ai l'action de la réaction, j'ai une force comme ça. Donc quand un plus 1 est positif, la force exercée à cause du déplacement de l'atome n plus 1 est positive pour l'atome n. Donc, je dirais que là, on va rentrer dans le truc le plus compliqué. Donc, accrochez-vous juste 2 secondes. Je vais écrire ce que je viens de mathématiquement ce que je viens de décrire. Donc, je vais calculer la force Alors, imaginons que rien ne bouge. Et que seul n se déplace, par exemple, comme ça. Si n se déplace, ce ressort-là va être étiré, et donc pour cet atome n, je vais avoir une force de rappel qui va être négative. Donc ça, je peux le décrire en disant que j'ai moins c un. Ça, c'est parce que ce truc-là s'est déplacé comme ça, et donc ce ressort-là va tirer dans cette direction-là. Maintenant, imaginons que n-1 se déplace de exactement la même manière. Donc en fait, mon ressort, il n'est pas du tout étiré. Si lui se déplace de 1 et que lui se déplace, cet atome-là se déplace de 1 dans la même direction, le ressort n'est pas étiré, donc j'ai plus de force de rappel. Donc, ce qui est important, ce n'est pas le déplacement d'un atome, c'est le déplacement relatif d'un atome par rapport à l'autre. Et ce déplacement relatif, il dépend des déplacements
de chacun des deux atomes. Donc ça va dépendre de Un et de Un-1. Donc si Un égale Un-1, ce terme-là est nul, et la force de ce ressort-là est nulle. Je peux faire exactement le même raisonnement avec Un, avec ce ressort-là. Et donc j'ai moins C, Un, moins Un plus 1. Voilà la force exercée par, sur l'atome N. Pareil, hein, je reviens au tout début de mon explication. Si rien ne bouge et il n'y a que N plus 1 qui bouge vers la droite, ça veut dire que tout ça est nul. Si je regarde ici, ça est nul, ça est nul, ça est nul, ça est nul, ça me donne moins, moins, ça me fait plus. C'est Un plus 1, j'ai donc une force positive. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si lui va vers la droite, cet atome-là va aller vers la droite. Il va être attiré à cause du ressort vers la droite. Action, réaction. Voilà. Donc, que représente Un ? Alors ça, je l'ai expliqué juste avant. Que représente Un ? Donc Un, hein, c'est le déplacement longitudinal de mon atome. Longitudinal de l'atome N. Et donc, je peux représenter les déplacements de tous les atomes par une onde. Et le plus simple, c'est de la décrire par une onde plane. Parce que vous savez qu'une onde, quelle que soit l'onde, vous pouvez la décrire comme une somme d'ondes planes. Hein, c'est ce qu'on appelle la transformée de Fourier. Donc, du coup, si on décrit pour l'onde plane, on décrit pour n'importe quelle. Donc, par exemple, le son. Donc, je vais décrire Un comme une onde. Donc, Un, ça a une amplitude, c'est une onde, U0, et exponentielle de I. K, xn moins oméga t. Donc ça va dépendre de la position de mon nœud, xn, d'un vecteur d'onde et d'une pulsation. Et U0, là, c'est l'amplitude de mon onde. C'est cette amplitude-là. Je l'ai noté A, mais c'est ici. Plus U0 est grand, et plus mes atomes vont se déplacer longitudinalement. Tac. Pardon. Tac. Je sais pas. Longitudinalement. Et donc lui, cet atome, il va se déplacer jusque là. Donc avant, il était là, maintenant, il est là. Donc l'amplitude de l'onde vous donne une idée de l'amplitude des vibrations longitudinalement. Donc voilà comment on décrit. Et après, bah, j'applique le principe fondamental de la dynamique. Principe fondamental de la dynamique. En disant que la force exercé sur l'atome N est égal à m fois l'accélération. Donc, mon atome N, il est décrit par une position que j'appelle x. Donc, c'est m fois la dérivée de x par rapport au temps. Or, x, je peux le décrire comme xn, donc la position de mon atome, la position de mon nœud, plus le déplacement de mon atome, par rapport dérivé par dt2. Et xn étant constant, puisque c'est la position de mon nœud et ça, ça ne change pas, c'est mon atome qui bouge, pas mon nœud, ça vaut m d2un sur dt2. Donc voilà pour l'accélération. Fn, et donc,
si je remplace UN dans ce terme-là, donc ça, on a l'habitude, hein, je pense que vous avez déjà fait ça des milliers de fois, ça vaut moins M oméga carré UN. Ça, c'est l'intérêt de l'onde plane. Hein, quand on dérive l'onde plane, on se retrouve avec une onde plane, mais amplifiée, enfin, avec un facteur amplifié d'amplitude différent. Mais à chaque fois, la dérivée d'une onde plane est une onde plane. Donc ça, c'est une des propriétés. Alors, UN-1, je connais UN, je peux calculer UN-1. UN-1, alors je vais écrire UN. UN, j'ai dit que c'était U0 exponentielle de I KXN moins oméga t. Donc, UN-1, c'est U0 exponentielle de I KXN moins 1 moins oméga t. Or, XN moins 1, c'est XN moins A, parce que c'est le nœud d'à côté, hein, exponentielle I K XN moins A, moins oméga t. Voilà. Et donc, je peux sortir exponentielle de I K XN moins oméga t pour mettre en facteur UN. Et donc ça, c'est UN que multiplie exponentielle de moins I. KA, pardon. On peut faire la même chose pour UN plus 1. UN plus 1, c'est UN exponentielle de plus I. KA. Voilà. On remplace dans l'équation de départ, donc dans le principe fondamental de la dynamique, on a l'accélération qui vaut moins m oméga carré un, qui est égale à la force. La force, c'est c un, donc c'est enfin, je vais reprendre le terme ici. C'est moins c un moins un moins 1. Donc moins c un moins un moins 1, donc un moins 1 c'est un exponentielle de moins ika, moins c un moins un plus 1. Donc un plus 1 c'est un exponentielle de plus ika. On fait du ménage dans tout ça. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est ça. On peut tout diviser par un, ce qui nous donne moins m oméga carré. On peut mettre c en facteur et exponentielle de ika, qui est ce terme-là, exponentielle de moins ika et moins 2. Ce terme-là et ce terme-là. On divise par moins m, ce qui nous donne, on peut mettre 2 en facteur, 2c sur m. Alors pourquoi je mets 2 en facteur? Parce que je me retrouve avec ce terme-là, exponentielle de ika plus exponentielle de moins ika sur 2. Ça, c'est le cosinus de Ka, de C sur M, 1 moins cosinus de Ka. Et je peux transformer ça, parce que je sais que sinus carré X, c'est 1 moins cos 2X sur 2. Donc, je peux remplacer ça par un carré. Pourquoi? Parce que du coup, je peux faire la racine carrée de tout ça. Et donc, ça me donne oméga racine carrée de 4C sur M sinus KA sur 2. Donc, comme j'ai une racine carrée, je le mets en la valeur absolue, quoi. Et donc, voilà ce que j'obtiens. Comme relation.
Alors, cette relation, elle me donne, enfin, cette formule, elle me donne une relation entre la pulsation de mon onde et mon nombre d'ondes, mon vecteur d'onde, mon nombre d'ondes. Cette relation, est-ce que vous savez ce que c'est? Comment on appelle ça? Ouais, c'est une relation de dispersion. Hein. Elisa et Jeveris. Ouais, bravo. Exactement. Donc c'est ce qu'on appelle une relation de dispersion. Alors, du coup, c'est mon deuxième chapitre. C'est l'étude de cette relation de dispersion. Merci, M. Fock. Dispersion. Et Jules aussi, qui l'avait. Oméga de K. Alors, je vais la dessiner, hein. Je peux, hein, c'est une formule, donc je peux la dessiner. Tac. Voilà. Voilà. Donc ça a un max qui est racine carrée de 4c sur m. Donc c'est k en fonction de oméga. Et ça, là, c'est ce qu'on appelle une branche de dispersion. Quand je la dessine comme ça, dans oméga sur k, c'est ce qu'on appelle une branche de dispersion. La raison pour laquelle on appelle ça, c'est que, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard, c'est que pour décrire les ondes dans les solides, que ce soit des ondes de vibration ou des ondes qui correspondent à la propagation des électrons, des ondes de conduction par exemple, on va avoir plusieurs branches de dispersion. Donc on aura, donc il n'y aura pas qu'une seule relation de dispersion, il va y en avoir plusieurs. Et donc on aura plusieurs relations. Et donc quand on va les dessiner, on va avoir plusieurs trucs comme ça là. Et donc c'est pour ça qu'on appelle chacun de ces trucs-là des branches. Donc ça, c'est une branche de dispersion. Alors, je vais mettre ici les valeurs qu'on trouve. 2π sur a, moins 2π sur a, 4π sur a. Donc c'est quelque chose qui est périodique. Et est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la période de cette branche de dispersion? Léo, pour la formule du sinus carré, c'est 1 demi moins. Ah oui, c'est tout sur 2, ouais. Non, c'est tout sur 2. C'est ça. C'est moi qui ai mal. J'ai été trop vite. C'est 1 moins cos 2x sur 2. Alors, quelle est la période? Ouais, 2π sur A, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Normalement, ça devrait vous faire penser à quelque chose. Ouais, le réseau réciproque, quoi. Donc, c'est périodique et ça a la même période. Que le réseau réciproque. Bon, on n'est pas étonné, hein, parce que j'ai pas arrêté de vous dire la semaine dernière que si le réseau réciproque, la principale propriété du réseau réciproque, l'importance, on va dire, du réseau réciproque, c'est que ça permet de décrire des ondes dans les solides. Donc là, on s'intéresse à une onde de vibration dans un solide. Donc si on n'avait pas vu le réseau réciproque apparaître à ce moment-là, ça voudrait dire que je vous aurais raconté plein de conneries la semaine dernière. Or, tout ce que je dis est exact. Donc voilà, c'est pas étonnant.
donc le même période que le réseau réciproque. Alors, à quoi ça sert, cette relation de dispersion? Bah, si je connais, par exemple, pour une onde, si je connais la longueur d'onde, donc par exemple, si je connais K, je peux déterminer oméga grâce à cette formule-là. Ce que j'ai, c'est oméga sur K, mais je peux très bien inverser cette formule pour avoir K de oméga. Donc, finalement, si je veux décrire le déplacement des atomes pour une longueur d'onde donnée, puisqu'en général, c'est souvent... Non, pas forcément. Ça peut être dans l'autre sens aussi. Ça peut être pour une fréquence donnée. Mais... UN, c'est le déplacement de l'atome N. Il est décrit par U0 exponentielle de I K Xn moins oméga T. Donc, je connais, en fait, UN de oméga et de T. Donc, si je connais, si je vous dis, si on dit, voilà, déterminez-moi la position du 15 millième atome quand on a une onde d'amplitude, je vais dire n'importe quoi, 1 et 1 angstrom et une longueur d'onde de, je sais pas moi, 50 angstrom, bah vous pouvez, à partir de cette relation de dispersion, le calculer, parce que vous connaissez le vecteur d'onde, vous calculez la pulsation, vous connaissez l'amplitude, on vous la donne, et donc vous remplacez dans cette équation l'amplitude, la longueur d'onde, la fréquence, et vous pouvez calculer UN. Vous pouvez calculer le déplacement de cet atome en particulier. Et si vous pouvez calculer le déplacement de cet atome, vous pouvez calculer le déplacement de tous les atomes. Donc voilà pourquoi la relation dispersion est si importante à connaître, parce que elle vous donne la position de l'ensemble des atomes dans votre cristal lors de la propagation d'une onde. Alors, je vais prendre quelques exemples. Le premier exemple que je vais prendre, c'est une onde de grande longueur d'onde. Et ça, c'est typiquement les ondes sonores. Les ondes sonores, ce sont des ondes qui sont dans de longueur d'onde de l'ordre du millimètre à 20 mètres. C'est les ondes qu'on peut entendre. Et ça, bah, c'est bien, 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 bien supérieur à la séparation entre deux atomes. C'est bien, bien supérieur à A. A, je rappelle, hein, c'est la longueur de liaison. Donc, c'est de l'ordre de l'angstrom. Donc, c'est des milliards de fois plus grand que le pas de mon réseau. Donc, si lambda est très très grand, on pourrait faire le calcul, hein, d'ailleurs je crois qu'on a un exercice là-dessus en TD. Si lambda est très très grand, bah, finalement cet atome-là, et cet atome-là, et cet atome-là, et cet atome-là, cet atome-là, ils vont se déplacer de la même... de la même longueur, parce que je rappelle, hein, vous dessinez l'onde, bah, l'onde pour ces atomes, elle est comme ça, hein. Parce que la longueur d'onde de ce truc-là, c'est très 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 grand. C'est génial, j'ai un tableau infini, en fait. Donc, c'est très, 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 très grand par rapport à ces atomes. Donc, en fait, eux, ce qu'ils voient, c'est cette amplitude-là pour leur position. Donc, ils se déplacent tous de la même longueur. Donc, U est constant. La conséquence, c'est que U est constant pour tous ces atomes. Donc on a ce qu'on appelle un mouvement
en phase de l'ensemble des atomes. Si je reprends ma relation dispersion, je vais juste la dessiner comme ça. Tac. K, on a 2 pi sur A, on a oméga, et on est là, en fait. Ça, c'est les ondes sonores. La longueur d'onde est extrêmement grande, donc le nombre d'ondes est extrêmement petit, donc, à ce niveau-là. La pente, ici, va me donner la vitesse de propagation de mon onde. V, c'est lambda sur T, c'est aussi oméga sur K, et donc ça, c'est la vitesse du son. Dans les solides, parce qu'on est là, les solides, le son, c'est ici. Donc, sa vitesse, ça va être la pente en ce point-là. Donc, si je fais le calcul, j'ai oméga, qui est racine carrée de K, c sur M, sinus KA sur 2. Voilà. Comme je suis ici, ce terme-là, c'est ce qu'il y a dans le sinus, donc c'est KA sur 2, à peu près égal à KA sur 2. Et donc la vitesse qu'on appelle la vitesse de phase, ça, je vous avais vu ça en physique ondulatoire, qui est oméga sur K. Bah, si je divise ça par K, je trouve racine carrée de C M sur A. Donc, je vais noter là, racine carrée de C sur M sur A. Donc ça, c'est la vitesse du son dans les solides. Alors ça dépend de la constante de Rader, ça dépend du poids de mes atomes et ça dépend de leur distance. Alors, toujours une bonne habitude à prendre quand on a ce genre de résultat, c'est d'essayer de voir le poids de ces paramètres et essayer de voir si on ne s'est pas gouré, tout simplement. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup, que ce soit dans ma recherche ou quand j'étais étudiant dans un examen ou quand je faisais des TD, en dehors des notes, même quand on fait des exercices, pour essayer de voir si on ne s'est pas gouré. Donc, est-ce que ça a un sens, tout ça? Si on a des atomes qui pèsent lourd, est-ce que ça a un sens que ma vitesse soit faible? Bah ouais, c'est des objets lourds, ils ont plus d'inertie, donc ils vont avoir une vitesse plus faible. Si maintenant ma constante de Rader est très grande, bah là on va avoir quelque chose de très dynamique forcément. Je vais avoir des forces qui vont être très très fortes dès que je vais avoir des élongations un peu petites. Donc ça va induire des vitesses grandes. Et donc que la vitesse soit proportionnelle au rapport entre la constante de Rader et la masse, c'est normal en fait. Donc la vitesse du son va dépendre de la masse et de la force de rappel. Alors, je vais regarder un petit peu pour deux composés qui ont des structures similaires. Je vais prendre le silicium et le germanium. Donc ces deux matériaux, moi, je ne vais pas le dessiner parce que c'est trop compliqué, cristallisent dans la structure diamant. Donc bon, on l'a vu en examen, on l'a vu en cours la dernière fois. Donc c'est un cubique face centrée, hein, avec des atomes dans le tétraèdre ici. Là. Un tétraèdre. Tac, tac, tac. On a un atome ici.
Bon, le truc, c'est que c'est la même structure, donc on peut les comparer bien. Leur distance, donc ce paramètre-là, pour le silicium, donc en angstrom, c'est 5,43. Et pour le germanium, c'est 5,66. La vitesse du son longitudinale, hein, on peut la calculer. Je crois que vous avez un TP là-dessus en ondes, où vous mesurez la vitesse de propagation. Ah, ou c'était peut-être en matière au premier semestre. Vous mesurez la vitesse de propagation du son, d'ailleurs longitudinale et les ondes transverses aussi, dans des matériaux. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire simplement en utilisant du son, un micro et de regarder combien de temps ça met à se propager. On peut faire des trucs un peu plus compliqués en mesurant carrément les relations de dispersion, enfin les courbes, les branches de dispersion de phonons. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est ce qu'on appelle des mesures inélastiques. Et ce qu'on peut calculer, voir, c'est que le rayonnement X interagit très très peu avec les phonons. Donc il faut envoyer des trucs très très gros qui vont, quand on va taper sur le réseau, ben, vont bouger beaucoup. Donc des grosses particules, et ces grosses particules sont des neutrons. Donc le neutron, il va interagir beaucoup avec les phonons. Et donc, on peut mesurer ces relations de dispersion en regardant comment un neutron est dévié par un matériau. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que le TP que vous avez fait au premier semestre. Mais bon, ça se calcule, les vitesses de propagation. Donc, par exemple, en kilomètres par seconde, pour du silicium, c'est 8,63. Et pour le germanium, c'est 4,87. Et leur masse, alors c'est le numéro atomique, hein, du coup. Pour le silicium, c'est 28. Et pour le germanium, c'est 72. Alors, ce n'est pas le numéro atomique, c'est la masse. Donc, c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le nombre de protons et de neutrons du silicium et le germanium. Le silicium est beaucoup plus léger ça s'appelle le nombre de masse, en fait. Pour le silicium et pour le germanium. Donc, si je calcule avec cette formule-là, racine carrée de C sur M et A, et que je fais la vitesse du silicium sur la vitesse du germanium, en considérant que, bah, comme c'est du silicium et du germanium, on a les mêmes types de liaisons, sont des liaisons covalentes entre des siliciums ou entre des germaniums. Donc je vais considérer que les constantes de Rayleigh sont les mêmes. Donc ça va me donner la racine carrée de la masse du silicium, pardon, la masse du germanium, sur la masse du silicium, A du silicium, A du germanium. Et ça, si vous faites le calcul en prenant ces trucs-là et les masses, vous obtenez 1,66. Donc là, c'est en considérant que le C, la constante de Rayleigh, est constante. Et la même pour le silicium et pour le germanium. Maintenant, si vous faites le rapport entre les vitesses, hein, entre ces deux vitesses-là, c'est 8,63 divisé par 4,87. Donc 8,63 divisé par 4,87, vous obtenez 1,73. Donc ça, c'est mon modèle basé sur des chaînes unidimensionnelles. Et ça, c'est l'expérience. Modèle. Expérience. C'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. On a un modèle extrêmement simple, hein, de propagation du son. On considère des boules réparties périodiquement dans l'espace. Et on considère que les liaisons chimiques entre ces petites boules sont des ressorts avec donc une constante avec sa constante de Rayleigh,
Et on fait un petit modèle, on en déduit les vitesses de propagation du son, on fait le calcul, on trouve 1,66 et on compare à 1,73 de l'expérience. Donc pour un modèle extrêmement simple, ça nous donne un résultat très très bon. Alors là, une des raisons hein, pour laquelle c'est différent, c'est que c'est faux. C'est que la constante de raideur du silicium est supérieure à la constante de raideur du germanium. Est-ce que quelqu'un a une idée de la raison? En fait, non, je vais vous laisser réfléchir. On va faire une pause et puis essayer de comprendre pourquoi ces constantes de raideur sont différentes. Et vous pouvez mettre ça dans le Discord. À tout de suite.
Je me suis dit, est-ce que je trollais ou pas? Et je refaisais deux fois la même blague. J'avais pas pu m'empêcher. Je suis sûr qu'il y a des gens qui dorment encore. Encore. Bon. Alors. Bon, de la mer. Ah. Bon appétit pour ceux qui prennent le petit déjeuner aussi, comme moi. Alors, oula, vous allez trop vite là. Voilà. Je pense que la plupart des gens ont. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, le truc, c'est que le germanium a beaucoup plus d'électrons que le silicium. Donc, on a tendance à oublier les interactions électrons-électrons. On a dans les liaisons, mais dans certains matériaux, ces interactions-là, elles sont extrêmement fortes. Et d'ailleurs, on peut avoir des transitions de phase simplement liées justement à la répulsion coulombienne des électrons autour d'un atome, ce qu'on appelle les transitions de Mott. Donc c'est voilà, la raison, c'est que le silicium effectivement a beaucoup moins d'électrons. Donc bien que les liaisons covalentes soient du même type, on a cette répulsion coulombienne qui fait que la constante de Rader va être beaucoup plus faible pour le germanium que pour le silicium. Et donc la conséquence, c'est que en termes de vitesse du son, on a cette différence, quoi. Très bien. Alors Shinguli qui se réveille, hein, qui n'était pas là au tout début. C'est effectivement System of a Down. Alors, deuxième exemple. Ce que je vais faire, c'est ça. Je vais. Ce que j'ai remarqué, c'est que mon tableau blanc, quand j'écris trop, il commence à bugger. Donc, je vais changer de tableau. Donc, exemple 2. Donc, je vais prendre l'autre cas extrême, c'est que la longueur d'onde, c'est deux fois la... deux fois A. Donc, ça veut dire que K, c'est 2 pi sur A. C'est pi sur A. Donc, ouais, Kronecker, Joule et les autres, c'est ça, hein, la raison. C'est le cortège électronique qui fait cette répulsion, qui change la constante de Rayleigh. Donc, j'ai maintenant une onde qui a une longueur d'onde. Qui vaut deux fois le paramètre. Et donc, si je refais encore mes déplacements, celui-ci va là, celui-ci va là, celui-ci va là. Et si je regarde à une demi-période plus tard, donc ça c'est par exemple à t égale à 0, si je regarde à une demi-période plus tard, mon onde, elle est inversée. Tac. Tac. Elle est inversée. Et cette fois-ci, j'ai mon atome qui est là, celui-ci qui est là, et celui-ci qui est là. Donc, dans... À t égale à 0, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Et à t égale t sur 2, j'ai quelque chose qui ressemble à ça.
essayer de faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça. Donc j'ai des mouvements en antiphase. Donc ces mouvements en opposition de phase. Donc, les deux cas extrêmes, je suis ici en pi sur a. Donc, je rappelle, hein, ça va jusqu'à 2 pi sur a. Ça, c'est k et oméga. Ici, j'ai des mouvements en phase. Tous mes atomes sont en phase. Je vais plutôt dessiner. Ici, c'est l'inverse. J'ai en opposition de phase. Ici, là. Hop. Hop. Donc les deux cas extrêmes. Ok. Alors, ce que j'observe ici, hein, c'est que si je la dessine... Là, tac, j'ai moins pi sur a. Si je prends cette zone de mon réseau réciproque, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? Donc c'est périodique, hein, si je recommence comme ça, tac. Est-ce que quelqu'un peut me dire que représente la zone que je viens de dessiner là? Alors ça s'écrit pas comme ça, mais oui, c'est la zone de Brillouin. Donc c'est la première zone de Brillouin. Donc elle est entre moins pi sur a et pi sur a. Et donc là, c'est ce qu'on va étudier maintenant. Donc, la zone, je vais mettre même pas que la première, on va regarder les autres zones. La zone de Brillouin. Ça arrive à tout. Donc la zone de Brillouin. De Brillouin. Donc, si je trace mes dispersions, moins pi sur, pardon, plus pi sur a, moins pi sur a, k et oméga. Question que je me pose, c'est que quel est le sens physique d'une onde qui aurait un vecteur d'onde à l'extérieur de la première zone de Brillouin? Ça, c'est la première zone. Donc la question. Alors, peut-être pourquoi je pose cette question avant. J'ai une chaîne avec n atomes. J'ai donc n modes de vibration. Or, et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, la propriété de la première zone de Brillouin, or, j'ai n vecteur k. N vecteur k dans
la première zone de Brillouin, voire le cours de la semaine dernière. Donc, j'ai n mod et j'ai n vecteur k. Donc, en fait, les points que j'ai ici, ces n points que j'ai ici, bah, représentent l'ensemble des ondes dans mon cristal. Donc, j'en ai pas besoin de celui-là. Il sert à rien. Puisqu'en fait, là, je décris toutes mes ondes. Celui-là, il fait quoi? Il décrit quoi comme onde? Donc, c'est ma question. C'est que représente ce vecteur d'onde-là en dehors de la zone de Brillouin? À quoi il sert? Ou sert-il à quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire? Question, que représente un vecteur K en dehors de la zone de Brillouin? Je vais écrire comme ça. Calculons un plus 1 sur un. Alors, un plus 1 sur un, c'est bah, un plus 1, c'est un exponentielle de IKA, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et un. Donc, un plus 1, c'est exponentielle de IKA. Donc, KA, il est compris entre moins pi et pi. Je décris tous les cas si je prends ça, c'est mon cercle trigo d'harmonique. Ouais. On va voir. Donc, ça veut dire que K est compris entre moins pi sur A et pi sur A. Donc ça, c'est la zone de Brillouin. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Première zone de Brillouin. Donc les valeurs à l'extérieur, je vais pouvoir les ramener à l'intérieur de ma première zone de Brillouin en les translatant d'un vecteur du réseau réciproque. Donc ça, je vais faire le calcul. Donc ça, c'est un vecteur du réseau réciproque. Donc celui-ci aussi, c'est-à-dire moins A étoile. Si je translate de moins A étoile, ici, moins A étoile, je me ramène à un point qui va être totalement équivalent. On va faire le calcul. C'est-à-dire que cette onde-là et cette onde, c'est les mêmes, en fait. Ils ont le même vecteur d'onde et le même, la même énergie. Donc, je vais juste faire le calcul, je vais vous montrer. Donc, un plus 1 sur un, exponentielle de IKA, et exponentielle, ce que je peux faire, c'est multiplier par 1. Comment je peux multiplier par 1 en faisant exponentielle de I, 2 pi n, ça c'est égal à 1, et exponentielle de moins I, 2 pi n. Donc là, je ne fais rien du tout. Donc ça vaut exponentielle de I KA. Enfin, non, ça, je n'ai pas besoin de ce terme-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tac. Exponentielle de I, de pi n, hein, c'est ça, c'est égal à 1. Puisque n est une n est un entier. Donc ça fait exponentielle de IKA moins 2 pi. Je pose K' qui est égal à K moins 2 pi sur A n. C'est-à-dire que je pose K' qui est égal à K moins un nombre de fois un vecteur du réseau réciproque. Donc je translate mon vecteur K' d'un vecteur du réseau réciproque. Ça, c'est un vecteur
du réseau réciproque. Et donc, ce truc-là, hein, je peux le remplacer. Si je regarde le rapport entre un plus 1 et un, c'est égal à exponentielle de i ka, et c'est aussi égal à exponentielle de i k k'. Ah, donc, un plus 1 sur un, hein, c'est un déplacement physique, quoi. C'est le rapport de deux déplacements. Ce rapport de deux déplacements, il dépend de k, et on peut le calculer comme ça. Et ce que je remarque, c'est que c'est exactement le même que si je prends k', mais pas n'importe quel k', un k' tel que il est translaté d'un vecteur du réseau réciproque. D'un vecteur du réseau réciproque. Donc, k' et k représentent la même réalité physique. Parce qu'ils me donnent exactement les mêmes déplacements, la même réalité. Donc, par exemple, ici, si je reviens sur mon truc du départ, k', si je translate mon vecteur k d'un vecteur du réseau réciproque, plus a étoile, je me retrouve ici, ce point-là, et ce point-là, il me représente exactement la même onde. C'est la même réalité physique. Ce qui veut dire que tous ces points ici de la relation dispersion, ils servent à rien. Donc, ils servent à rien parce que ils représentent la même chose que ça. Et donc, encore une fois, si vous voulez décrire les ondes dans les solides, seule la première zone de Brillouin est importante parce que c'est les seuls qui décrivent l'ensemble des ondes. Tous les autres vecteurs d'ondes à l'extérieur de la zone de Brillouin peuvent être ramenés à l'intérieur de la première zone de Brillouin par une translation d'un vecteur du réseau réciproque et par conséquent vont représenter la même réalité physique que un vecteur d'onde de la première zone de Brillouin. C'est clair? J'espère. C'est un peu compliqué. Hein. Erreur courante, faite par beaucoup de profs, d'ailleurs. On parle souvent de repliement de la zone de Brillouin. C'est-à-dire que ici, c'est comme si j'avais un miroir. Et donc, l'idée, c'est ça. Bah, comme c'est le miroir de ça, je peux le replier au même endroit. Comme ma fille, en ce moment, elle fait ça. Elle apprend à l'école primaire les éléments de symétrie. Hein. Et donc, elle me disait ça hier. « Ah, j'adore, c'est chouette, le papillon. » Je fais le truc et puis quand je fais ça, je me retrouve la même chose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le repliement. Effectivement, quand je fais ça et que je le replie ici, je me retrouve ici. Ça, c'est une grave erreur en fait de penser comme ça, parce que même si c'est exact d'un point de vue de la symétrie, l'erreur, c'est que du coup, on pense que ce point-là est équivalent à ce point-là. Non, ces deux ondes-là ne sont pas équivalentes. Cette onde, elle représente une onde longitudinale qui se propage dans le sens inverse de x. Pourquoi ? Parce que, et celle-ci représente une onde qui se propage dans le sens positif des x. Celle-ci, c'est négatif parce que, en fait, cette onde, elle est équivalente à celle-ci. Et celle-ci est bien négative. Donc, si vous dites ça, c'est pareil que ça, c'est faux parce que celle-ci se propage négativement, celle-ci se propage positivement. Donc quand on vous parle de repliement des bandes, oubliez cette idée. C'est une idée qui est... C'est une fausse mauvaise... C'est une fausse bonne idée, pardon. Une fausse mauvaise idée. Donc
Fausse mauvaise idée, ouais, carrément. Alors, une autre manière de vous représenter ça, c'est de vous le dessiner. Alors, le dessin est un peu embêtant à faire, donc je l'ai déjà fait une fois assez proprement. Et donc, je vais vous le montrer. J'illumine. Comment vous montrer ça? Comme ça. Voilà. Donc ça, j'ai fait le dessin. Donc ici, c'est sur mon cours, hein, que vous pouvez retrouver sur mon site. C'est les notes du cours. J'ai pris deux vecteurs d'onde. A qui vaut pi sur a, donc qui est juste au bord de la zone de Brillouin, hein, qui est qui est au bord. C'est celui qu'on a dessiné juste avant, donc qui représente justement ces ondes en antiphase. Et j'ai pris un K' qui vaut 3 pi sur a, donc qui est à l'extérieur de la zone de Brillouin. Et qui est donc translaté de exactement A étoile. Parce que A étoile, ça vaut 2 pi sur A. Donc pi sur A plus 2 pi sur A, ça vaut 3 pi sur A. Donc la relation entre K' et K, c'est que K' est égal à K plus A étoile. Donc ces deux ondes, ce que j'ai dit, c'est qu'elles représentent la même réalité physique. Pourquoi? Parce que la réalité physique, c'est le déplacement des atomes. Ce qui représente la réalité, c'est que des atomes se déplacent longitudinalement et que je veux les représenter par une onde, comme je vous ai présenté au tout début. Donc faisons le calcul. Pour la première onde, pi sur a, cet atome-là, il se déplace ici positivement, donc il va se retrouver là. Celui-ci, il va se déplacer négativement, il va se retrouver ici. Celui-ci va se déplacer positivement, il va se retrouver là, et celui-ci va se déplacer négativement, il va se retrouver ici. Maintenant, je dessine la même onde, enfin, je veux dire, avec la même amplitude, mais cette fois-ci avec un vecteur d'onde qui vaut 3 pi sur a. Donc c'est cette onde ici, hein, donc si c'est 3 pi sur a, ça veut dire que la longueur d'onde, c'est, donc dans un cas c'était 2a, ici c'est 2a sur 3. C'est-à-dire que entre ce point, pardon. Ah. Entre ce point-là et ce point-là, bah, j'ai trois fois un tiers de ma longueur. Pardon, pardon, trois. Non, entre ce point-là et ce point-là, j'ai trois fois ma longueur. Et donc, je regarde le déplacement. Donc, ici, ça se déplace de cette valeur-là vers la droite, qui est exactement la même valeur que pour cet atome ici. Pour cet atome, ça se déplace négativement de cette valeur, qui est exactement cette valeur-là pour cet atome. Pour cet atome, ça se déplace vers la droite exactement de la même manière qu'ici. Et pour cet atome, ça se déplace vers la gauche exactement de même manière que ici. Donc en fait, ces deux ondes qui n'ont pas la même longueur d'onde, elles représentent exactement la même réalité. C'est-à-dire que les atomes se déplacent exactement de la même manière pour cette onde et pour celle-ci. La relation qui existe entre ces deux ondes, c'est que le vecteur d'onde qui est à l'extérieur de la première zone de Brillouin, je peux le ramener à l'intérieur de la première zone de Brillouin en translatant mon vecteur d'onde d'un vecteur du réseau réciproque, en l'occurrence ici, une fois le vecteur A étoile. Alors ça, c'est totalement équivalent, c'est l'analogie qu'on a avec le théorème de Shannon, que vous avez peut-être ou pas vu en électronique. Je ne sais pas si ça vous parle, le théorème de Shannon. Quand on parle d'échantillonnage. Si vous avez étudié un petit peu le son ou comment on capte un son. Par exemple, comment on mesure de manière numérique un son, ouais, vite fait. Ouais. Le
vous savez que vous avez une fréquence qui est maximum, en fait. Pardon, minimum. Alors, maximum, pardon. Et c'est exactement la même analogie. C'est que les longueurs d'onde qui sont trop petites, elles n'ont pas de sens physique, en fait. Elles existent, mais elles représentent rien de plus que des longueurs d'onde avec des longueurs d'onde plus grandes. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un échantillonnage. Et donc c'est l'échantillonnage ici, hein, il est fait par la position des atomes. C'est le fait qu'on ait des atomes à des positions bien particulières qui fait que bah, y a des fréquences pour lesquelles ça n'a plus de sens, en fait. Ça n'a plus de sens, ou alors c'est le même sens physique qu'un truc qui aurait une fréquence plus courte, plus faible. Voilà. Bon. Je crois que j'ai bientôt terminé. Je vais plutôt, comme je suis sur mon cours, je vais, comme ça va être moins, j'ai moins d'explications à donner en écrivant, je vais plutôt vous montrer un petit peu le cours. J'avais appelé ça capacité calorifique des solides revisités. C'était à l'époque où je regardais beaucoup Top Chef avec ma femme, où ils n'arrêtaient pas de faire des trucs revisités, le cassoulet revisité, le hamburger revisité. Et donc, voilà, je sais pas, j'avais trouvé ça pas mal comme titre. Capacité calorifique des solides revisités. Ouais, non. J'espère que je ne suis pas aussi méchant. Où en fait là on revisite la capacité calorifique. Donc je rappelle hein, que on peut calculer la capacité calorifique. Alors là c'est à une dimension en faisant la somme sur K des modes hein. Donc l'énergie d'un mode c'est simplement l'énergie d'un phonon que multiplie la population de phonons, qui va dépendre de la température, plus ce facteur 1,5. Que cette somme, sur K, on peut la mettre sous forme d'intégrale. Alors la petite différence maintenant, c'est qu'on n'a plus besoin d'intégrer de moins l'infini à plus l'infini les K, puisqu'on sait qu'on n'a besoin que d'aller de moins pi sur a à pi sur a. Les autres, à l'extérieur, on ne fait que compter deux fois la même chose. Donc là, on va intégrer sur la première zone de Brillouin l'énergie. Toujours pareil avec ce facteur L sur 2pi, puisque l'espacement entre deux modes, c'est L sur 2pi. Et on peut vérifier hein, que le nombre total de modes, quand on intègre ça sur entre moins pi sur a et pi sur a, ben on va se retrouver avec n. Donc exactement. Donc ça marche quoi. C'est ça que je veux dire. La densité, on peut calculer la densité d'état et ce qu'on montre, c'est que la densité d'état, en fait, elle vaut 2 na sur 2 pi, dk sur d de oméga. Et ça, c'est à comparer à ce qu'on a vu pour Einstein, où Einstein, la densité d'état, ben en fait, c'est un Dirac, hein, puisqu'en fait, vous n'avez qu'une seule pulsation, qui est la pulsation d'Einstein, la fréquence d'Einstein. Donc, ma densité d'état, c'est juste un pic. Pour Debye, ben, on a fait le calcul encore très récemment en examen, on a vu que c'est une constante, c'est Na sur pi V, donc la densité d'état. Ici, c'est un petit peu plus compliqué. La densité d'état, c'est d'ailleurs, on retrouve un petit peu ce terme-là, mais on a ce dk sur d de oméga. Et dk sur d de oméga, hein, c'est la vitesse, c'est ce terme ici que j'ai là dans Debye. Ce terme-là, on peut le calculer. Dk sur d de oméga, si je prends la relation de dispersion, donc c'est un sinus, je peux calculer dk sur d de oméga. Donc en fait, je peux calculer exactement
la densité d'état pour un atome, donc pour une chaîne unidimensionnelle. Donc Einstein, tout est indépendant. Debye, c'est indépendant. Enfin, c'est dépendant. On a donc on a des ondes, mais on va s'intéresser que aux ondes sonores. Donc où là, on va voir la variation de la pulsation par rapport à K, qui est une constante. C'est j'ai qu'une seule vitesse, la vitesse V, la vitesse de propagation du son. Dans la vraie théorie, donc dans la capacité calorifique des solides revisités, ce qu'on observe, c'est que la densité d'état, vous pourrez faire le calcul, c'est pas si compliqué, je vois que vous tirez un petit peu les cheveux, vous pouvez suivre ce calcul, il n'y a rien de très compliqué, et ce qu'on observe, c'est exactement la même chose que ça, sauf que ce V ici est remplacé par sa vraie relation. La vraie relation, c'est sa vitesse de phase, donc là c'est l'inverse de la vitesse de phase, puisque j'ai 1 sur V, d de oméga sur dk, parce que en fait, les ondes de vibration, ce ne sont pas que du son. On a du son, mais on a aussi des mouvements en antiphase et des mouvements qui sont des un mix de phase et d'antiphase, enfin des mouvements beaucoup plus compliqués. Et afin de prendre en compte l'ensemble de ces vibrations, dans la densité d'état, on va prendre au lieu de la vitesse, on va prendre ce terme dk sur d de oméga, qu'on peut calculer puisqu'on connaît la relation dispersion oméga en fonction de k. Donc voilà pour la capacité calorifique des solides revisités. Je vous invite à faire ce calcul, je pense que c'est intéressant de tracer g de oméga, de regarder qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les ondes qui ont plus de poids dans la capacité calorifique. Dk sur d de oméga, hein, c'est la pente dans ces relations dispersion. Donc, il y a des ondes qui vont avoir du poids et d'autres qui en auront beaucoup, beaucoup moins. Donc, en faisant ce calcul, vous pouvez montrer tout ça. Je vais terminer par la chaîne diatomique. Donc là, on considère une chaîne dans laquelle on a deux atomes différents. Donc là, mon motif cette fois-ci est constitué. Donc ça, c'est ma maille. Mon motif est constitué cette fois-ci d'un atome de masse M1 et d'un atome de masse M. Non, c'est les mêmes atomes, pardon. On peut faire le calcul différemment, mais peu importe. Voilà. C'est les mêmes atomes. Très bien, en bleu, c'est pas grave. C'est les mêmes atomes, sauf qu'on a deux constantes de Rader différentes. Donc j'ai deux ressorts différents ou deux atomes différents par maille élémentaire. J'ai donc deux n atomes. Si j'ai deux n atomes, j'ai deux n modes. Or, une branche de dispersion contient n modes. Donc, si je veux avoir deux n modes, il me faut deux branches de dispersion. La première branche qu'on a calculée, qu'on appelle la branche acoustique, et la deuxième branche qu'on observe ici, qu'on appelle la branche optique. Donc ça, ce calcul, vous allez le faire en TD. Donc le calcul de branche acoustique et de branche optique. Voilà. Et donc, à trois dimensions, tout ça est un petit peu plus compliqué, mais je vous expliquerai ça la prochaine fois. Jules me dit que c'est interdit de revisiter le cassoulet. Bah ouais, je sais pas. Ils l'ont fait, hein, pourtant. Mais vous êtes de là-bas, peut-être. Bon, bref, vous me raconterez ça en TP si on se voit. Je vous souhaite une bonne journée. Il est l'heure, de toute manière. Donc, on va se quitter sur ces histoires de cassoulet. Monsieur. Ouais. Oui, allez-y. Monsieur. Ouais. Ouais, je vous écoute, ouais. Enfin, je vous entends, en fait. Vous allez m'entendre via le... J'ai un peu de décalage, mais du coup, là, les dernières choses que... Ah, bah là, je vous entends plus. Oui, d'accord, je crois qu'il y a plusieurs secondes de décalage. Donc, je vais essayer de poser ma question. Je suis désolé si je vous coupe la parole. C'est vraiment pas volontaire. Pour moi, là, vous ne parlez pas en ce moment. Les derniers trucs qu'on a vus sur le PDF, là, elles sont bien recopiées dans le cours. Ce n'était pas simplement un complément. Le 3, 4 et 5.
Elles sont dans le cours. Hein. Elles sont. Je vais rapidement parce que, comme je dis, cette année, j'ai envie de faire un cours un petit peu plus simple. Donc, en termes de si vous comprenez pas ou si ça va trop vite, c'est pas très grave. Mais elles sont tout ce truc là est sur le drive, donc vous pouvez télécharger tous ces trucs et regarder, il n'y a pas de souci. C'est ça votre question. Après le voilà, c'est moins, je veux dire que c'est moins important. Et puis la chaîne diatomique, vous allez la voir en TD, donc vous aurez le temps de bien comprendre tous les concepts. Bonjour Pac-Man de Fougères. Oui, d'accord, bien. Merci. Donc, bah, ouais, voilà, bonne journée à tout le monde. Et puis, on se revoit. Ah oui, on se voit lundi, puisque vendredi prochain, nous n'aurons pas cours ensemble, puisque j'ai dû mettre un autre cours avec mes étudiants du master ce jour-là. Donc, il a fallu que je décale mon cours à lundi prochain. Donc, on se voit lundi. Un peu plus tard, donc un peu mieux réveillé, j'espère. Et bon week-end, à lundi.